C'est quoi, vous me posez la question? C'est quoi la niche la plus dure? Dans le business, je dirais que c'est les vêtements, les bijoux, les sacs à main, les foulards, ce truc-là. Vous me posez cette question, je vous réponds. Vous me l'avez pas posé. Je me la suis posé tout seul. Je vous réponds quand même. Parce que je sais que peut-être que vous vous la posez. Bon, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, laissez-moi tranquille. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va avoir un compte qui cartonne, qui vend énormément de bijoux. C'est une fille toute sympa, qui fait son business dans son coin, elle n'a rien demandé à personne, et d'une manière et d'une façon que vous connaissez déjà parce que je vous en ai parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne YouTube, mais une fois de plus ne sera pas trop, vous allez voir comment elle vend sa marque de bijoux, et dans de plutôt bonnes quantités. En fait c'est très simple, pourquoi je dis que de vendre des bijoux, des vêtements ou des sacs à main, c'est dur à vendre C'est une simple raison, c'est que c'est des produits très larges. Qui dit très large touche tout le monde. Et pour cibler tout le monde, c'est très dur. Quand on essaie de cibler large, bah au final on cible personne. Vous vendez pas une planche de surf comme moi, vous vendez pas un, un module de skate précis qui va aider tel type de, de personne. Non, c'est vaste, c'est large, ça appartient à la mode. Il faut que ça s'identifie à quelqu'un, etc. Donc beaucoup plus dur. Regardez avec moi sur mon ordinateur, Enjoy Phoenix. Je prends cet exemple parce que je pense que vous la connaissez peut-être. C'est une youtubeuse. À 3 millions d'abonnés, euh, voilà, elle fait des vidéos maintenant possédées par 40 démons, il tue sa famille à main nue. En fait, elle raconte des histoires, activités paranormales, archives paranormales. Bref, euh, elle fait plein de vidéos comme ça maintenant. Avant, elle faisait des vidéos sur le make-up, après, elle a fait des vlogs où elle raconte sa vie, etc. Tout type de sujet, quoi, très large, et maintenant, on pourrait presque se dire que c'est niché sur des histoires, quoi. Le truc, c'est que bah, c'est vaste, elle vend des produits vastes. Donc, si on descend dans sa description, par exemple, de cette vidéo-là, on voit mes boutiques en ligne. Bon, déjà, on a plusieurs, je ne savais même pas. Mais elles vendent euh, apparemment.fr. On clique là-dessus. Et là, on arrive sur un truc bah, vous voyez, des sacs, des agendas, des petites huiles, que des trucs larges. On va sur boutique, bijoux. Étonnant. On clique sur bijoux. Et là, on arrive sur une boutique avec plein de petits bijoux à 20 euros, à 15 euros, 14 euros, etc. Des petits bijoux sympas. On clique sur une page. Le site est super propre, hein, c'est sympa. Il y a un thème euh, sympa, euh, des petites photos euh, sympathiquement disposées, description cool. Non, franchement, le site, il me va. Hein C'est propre et épuré. Euh, voilà, ses réseaux sont ici. Nickel, quoi. Une marque avec plein de trucs, plein de produits larges parce que son audience est large. Sa méthode de vente, YouTube. Éventuellement, à mon avis, des publicités sur du reciblage. Si je clique sur mon extension, là, on peut voir Facebook Pixel Helper. On a euh, Page View, View Content. Il y a un pixel qui a été mis de Facebook. Donc, je pense qu'elle recible derrière. Bon, normal. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au, au contenu large. On va aller sur un, un autre compte. Lui, Mathias. Si vous ne le suivez pas, je, lui, je vous le recommande. Pas que je ne recommande pas Enjoy, mais euh, ça vous parlera plus. Si vous aimez l'entrepreneuriat, euh, Mathias, des, du peu de vidéos que j'ai pu voir de lui, il fait des montages super travaillés. Il parle de la motivation. Il fait des tests sur la motivation. Ça peut être intéressant. Donc lui, est sur ce sujet-là de euh, un peu la motivation, business, sport, etc. Et euh, bah, il vend sa marque de bijoux. Il vend pas un programme, euh, je ne sais pas, une formation sur la motivation. Non, ils vend sa marque de bijoux. Donc euh, vous avez Bilost. On peut cliquer là-dessus. Et voilà. Et là, on a sa marque de bijoux. Euh, voilà, c'est une marque de bijoux faite à Bali, il me semble. Il en parle souvent. Il fait beaucoup de publicité aussi de, de recyclage. Hein. Je pense que le pixel, il y est aussi parce que je les ai déjà vus. Voilà. Et là, du coup, on va acheter ses bijoux avec l'idée de... Bah, c'est un peu des pour représenter l'esprit un peu combatif, un peu de motivation, etc. Je pense hein, si on le suit, c'est aussi pour ça qu'on achète. Ouais, les descriptions, ils sont embêtés hein, pour les faire. Hein. Chaque description, il euh, y a énormément de textes. Je suis choqué, j'ai même pas vu qu'il y avait autant de descriptions. C'est rare hein, quand les gens se, se bougent autant pour donner autant d'histoire à, à, au produit et euh, ça se voit qu'il est investi à 1000% parce que quand je vois tout ça, c'est énorme. Vous voyez, Nos bijoux artisanaux sont fabriqués à Bali avec des matériaux de qualité, un savoir-faire unique au monde. Bon après. C'est du marketing, après, c'est vrai, c'est pas, pas mon problème de savoir ça. Mais tout ce que je vois, c'est que c'est bien réalisé, bien fait, et que, voilà, c'est sa méthode de vente pour ses bijoux, ça part de YouTube. Donc, vous l'avez compris, c'est vaste, très vaste. Donc, on peut faire une audience très vaste et vendre des bijoux, parce que c'est comme ça qu'il va falloir les vendre, vu que vendre des bijoux, ce n'est pas niché. Revenons-en à la fille dont je vous parlais aujourd'hui. Elle est ici, et là, ça va partir de TikTok. Elle, elle n'utilise pas YouTube, en tout cas pas pour le moment. Je pense que son business est très jeune. Et euh, bah on peut voir que tous ces TikTok tournent autour de ces créations, autour de ce qui est fait. C'est un gros point positif parce que quand tout votre TikTok a réussi à buzzer grâce au contenu et aux produits que vous vendez, votre audience est qualifiée et elle a pour vos produits et pas pour autre chose. Vous pouvez le faire dans un autre sens, c'est-à-dire essayer de buzzer avec des contenus un peu plus perso des fois et après mettre un peu de contenu de votre marque au fur et à mesure du temps, essayer de garder les gens. Ça peut aussi se faire comme ça, ce qui est des fois plus simple. Mais elle apparemment a bien marché de cette manière-là et si on regarde rapidement. 2 trois miniatures de TikTok, on voit là, ça parle de chiffres 320 euros, 308, 314, 230. On voit plein de ces créations là, je vais vous en montrer quelques-unes des vidéos. Euh... Bah ouais, c'est des commandes, c'est que des commandes. Prenons celle-ci 323 euros par exemple. Oh my god, une commande à 323 euros. C'est la commande de Lorena, merci beaucoup pour ta commande. Elle a pris plein de bijoux bleus. Je mets tout dans les pochons et dans le l'enveloppe, merci beaucoup pour ta commande. Donnez-moi vos numéros de commande. Vous avez vu l'idée, je vais pas vous passer tout le TikTok elle montre exactement tout ce que la personne a pris et elle emballe sa commande de A à Z. On peut voir ça. Voilà, mais papa, j'ai enfin eu du succès. Elle montre tous ces colis qui, qui sont emballés dans la même pièce, ça en fait pas mal. Hein. Et quand on regarde dans les commentaires... Regardez. Bon, tout le monde est fier pour elle, on peut le voir. Hein. Et si je vais dans les commentaires, par exemple, d'une vidéo, là, où elle emballe une commande ?« Pépite cette commande, hâte de commander pour la nouvelle collection. J'ai reçu ma commande, les bijoux sont incroyables. Ça fait plaisir de voir des magnifiques bijoux à des prix accessibles, hâte de commander. » C'est que, des, que des, des messages comme ça. « Comment s'appelle le dernier collier avec des fleurs blanches, STP ?» C'est des trucs, euh, des commentaires qualifiés. « J'ai commandé mercredi, quand est-ce que les commandes s'envoient, STP ?» bon voilà, limite le support client, on le voit, il est dans les commentaires des, de ces vidéos TikTok. Mais c'est énorme, c'est la preuve euh, en direct qu'elle vend. Parce que on peut tous truquer des trucs, on peut tous acheter des petites boxes comme ça, et puis faire genre euh, on emballe des colis tous les jours et euh, regardez, je vends plein de trucs. Et puis peut-être que ça va déclencher un engouement et que vous allez vraiment vendre avec ça. Elle, c'est pas son cas. On voit derrière avec des vrais comptes de personnes différentes qui publient des vidéos, témoignent qu'elles ont bien commandé et qu'elles attendent leur commande. Donc c'est génial. Et on en retient quoi de sa stratégie? Bah, TikTok, juste création de contenu, zéro dépense publicité. Alors si je remonte à son premier TikTok, je n'ai même pas essayé de regarder. On va peut-être aller voir depuis combien de temps elle publie, depuis combien de temps elle fait des vidéos. Il y a un paquet de vidéos, hein, vous avez vu, elle est active, regardez tout ça. Ça fait longtemps qu'il y, qu y a des commandes. Là, si je prends cette vidéo là, 400 commandes en un week-end. On est le 29 novembre 2021, au moment de cette vidéo. Donc c'était euh, fin de l'année dernière, c'était il n'y a pas non plus si longtemps, elle commençait à avoir beaucoup de commandes. Avant ça, apparemment, elle n'avait pas fait énormément. On descend, elle est très active et c'est ça que vous devez avoir, de la constance, de la constance avec toutes les vidéos qu'elle fait. Là, voilà, son premier TikTok, c'est ça. Mes nouveaux pochons pour ma boutique, des pochons en velours envoyés dans toutes les commandes, etc. Voilà, elle montre encore comment elle emballe, elle met des gants, etc. Je ne sais pas si elle en fait trop ou pas, mais elle a raison de faire ça, c'est ce qu'il faut faire. En fait, elle est passionnée par son truc, je pense que c'est joli, c'est mignon ce qu'elle fait. Ça a plu aux gens, mais ça a permis d'être vu grâce à TikTok. Donc TikTok est aussi un excellent endroit pour sonder, sonder votre produit, sonder votre packaging, voir si ce que vous faites ça plaît ou ça plaît pas. Mais soyez patient quand même. Des fois il faut plusieurs vidéos pour que ça commence à percer. Là on peut voir que il y a des vues, il y a des milliers de vues, mais je suis sûr qu'il y avait que des dizaines de vues au début. C'est que son compte maintenant est populaire. Mais si on regarde la, vraiment la première vidéo qui a percé, elle est là, 1,4 millions de vues. Ça ça a dû la propulser. Et bah ben regardez d'ailleurs, on voit juste que là après quand j'ai lancé une traîne que la vidéo a bientôt 1 million de vues et que j'ai reçu je ne sais combien de commandes. Logique Logique. Donc, ça, ça a lui donné le premier coup de boost. Mais avant de faire ça, elle a publié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A... Ouais, plus de 50 vidéos, elle a publié. Alors, des fois, ça peut être avant, des fois, ça peut être après. Mais on est là-dessus. Donc, faut ne pas lâcher. Tenez le coup. Soyez constant. publiez. Et en plus, vous allez pouvoir affiner votre offre. Vous allez bien voir si vous publiez des choses sur votre produit et que ça ne prend pas tant que ça. Bah vous allez pouvoir divaguer un peu et tenter un nouveau truc. Tiens, est-ce que ça mord un peu plus ah, ouais, 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 ok, bon bah c'est parti, on appuie un peu plus là-dessus. C'est sûrement ce qu'elle a dû faire parce que ses packaging et ce qu'elle fait là, ça ressemble pas à ce qu'elle fait dernièrement. Probablement qu'elle a dû évoluer. Elle a monté un petit business de chez elle, tranquille, sans se prendre la tête avec des publicités, des influenceurs, sans payer un prestataire de service euh, 6000 euros pour qu'il vous fasse un site web, je ne sais où, ou 3000, ou j'en sais combien de milliers d'euros. Non, Shopify, tranquille, tu fais ton site, tu publies tes contenus TikTok, etc. Basta. Bien sûr, elle pourrait augmenter carrément son business en faisant de la publicité, en étant sur YouTube, comme on a vu juste avant. Il y a plein de trucs à faire à côté, mais elle pourra se payer une formation, un coaching si elle veut pour pousser ça, comme elle aurait pu le faire depuis le tout début. C'est pas grave, mais elle a déjà fait l'essentiel d'elle-même. Ça, c'est génial. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé pour vendre des produits larges. Pour moi, il n'y a pas grand chose de mieux que de faire du contenu large sur les réseaux ou de parler précisément. De votre marque comme ça sur euh, sur TikTok en sachant que ce format là est vraiment propre à TikTok c'est à dire que vous pouvez pas faire des vidéos comme ça selon moi sur YouTube YouTube est là pour être du contenu long instructif qui va emmener les gens dans une histoire. Donc on suit plus un influenceur dans toute sa routine et on va acheter les produits qu'il propose parce qu'on l'aime bien, alors que sur TikTok on peut montrer l'envers du décor avec des vidéos très courtes pour donner envie tout de suite aux gens avec un petit achat d'impulsion d'acheter nos produits. Mais demain, quand elle ouvrira son YouTube, elle aura déjà créé son TikTok, donc elle pourra renvoyer ce trafic-là qui est intéressé déjà par sa marque de bijoux et qui la connaît pour aller sur son YouTube. Et elle pourra continuer à tester des formats, voir ce qui plaît, voir ce qui ne plaît pas. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive. Tous ceux qui veulent que je les aide, Ça avec grand plaisir. C'est dans la description. Vous avez le lien pour les candidatures. Et ma question du jour pour vous est est-ce que vous êtes plus un consommateur de YouTube ou de TikTok Dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que tu as mes deux seules offres dans la description. C'est les premiers liens, que ce soit ma formation ou mon coaching. Je t'accompagne à créer un business qui va te tenir dans le temps, comme j'ai pu le faire avec ma marque de surf. Alors si tu as et que tu supportes un petit peu ma tête quand même, tu peux me faire confiance, tu ne seras pas déçu. Une vidéo que tu as peut-être manquée, juste ici, et puis n'oublie pas de t'abonner, juste là. À très vite.